Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de la victoire du FC Barcelone contre l'Athletic Bilbao, 1 but à 0, Rakitic qui sauve les siens. Et on a vu que les changements de Quique Setién hein, ont eu quand même un apport positif sur la suite du match du côté FC Barcelone. Ça a tout changé. On va revenir sur la première mi-temps qui a été catastrophique, que ce soit du côté du Barça ou de l'Athletic Bilbao. Donc Bilbao est venu ici pour faire la promenade et faire le mur de Berlin, un joueur à 11 derrière, donc aucun intérêt. Après, bah, le Barça, bah, il n'y avait rien, aucune vitesse, rien du tout. Franchement, c'était le néant complet. Donc après, c'est compliqué de jouer à huis clos, on le sait très bien. C'est la reprise maintenant depuis 2 semaines. C'est compliqué, mais tu vois qu'il n'y avait rien. Ils essayaient juste de trouver la solution par Lionel Messi. Messi qui faisait que des passes à Suarez et Suarez à Messi. Griezmann complètement blacklisté, qui est encore sorti. Ainsi que Arthur, comme par hasard, les deux qui sont détestés par Léo Messi sont sortis, mais obligés d'admettre quand même que l'entrée d'Ansu Fati et de ce petit Riqui Puig ont tout changé. Et vraiment, ce petit jeune joueur-là de 20 ans, je le trouve très intéressant. Il a fait quelques fulgurances dans le jeu et a vraiment apporté. Le Barça a eu beaucoup plus d'occasions en deuxième mi-temps. Et voilà, après Rakitic hein, qui marque ce but. Avec des erreurs défensives de Bilbao qui n'était incapable de relancer correctement le ballon. Messi, sans faire exprès, hein, arrive à faire un petit bond et l'autre, voilà, face à face, Rakitic qui marque. Mais voilà, je voudrais parler un petit peu de la première mi-temps du FC Barcelone qui était très inquiétante. Donc, Arthur qui joue titulaire alors que normalement bah, il n'est pas vraiment titulaire depuis quelques temps, surtout avec l'arrivée de Quique Setién. On sait qu'en ce moment, on parle d'un échange ou d'une transaction pour qu'il aille à la Juventus de Turin. Est-ce que le Barça a essayé d'un peu le valoriser pour le faire payer plus cher? Je ne pense pas. Je ne pense pas que la Juve mettra plus de 80 millions d'euros, surtout qu'on a fait une vidéo tout à l'heure, on ne va pas ramener ça. Mais voilà. En première mi-temps, par contre, je tiens à préciser la très grosse performance de Sergio Busquets. Parce que le tacle in extremis qu'il fait sur Williams, c'est quand même assez remarquable. Et je trouve qu'en première mi-temps, Sergio Busquets a fait vraiment le travail des trois milieux. Deux autres milieux. Il n'y avait que lui au milieu qui jouait pour 3. Et vraiment, Busquets a été impressionnant en première mi-temps. C'est le seul Blaugrana que j'ai trouvé bon. Par contre, Semedo, je suis désolé, c'est une catastrophe ce joueur. Franchement, pour moi, il est invendable. Semedo est invendable. Pour moi, limite, Kurzawa est meilleur que Semedo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais Semedo, je le trouve vraiment très mauvais. Donc, c'est vrai qu'Arthur n'a rien fait. Vidal, bof. Mais voilà, vraiment, la première mi-temps du Barça a été inquiétante. Et c'est vrai que les changements ont apporté beaucoup de choses. Donc voilà, donc bah Griezmann, ça continue, hein, il est sorti, il fait la gueule, c'est normal, mais s'il ne peut pas le voir. Et ce qui est marrant, c'est que les deux qui sont sortis, c'est-à-dire Arthur et Griezmann, c'est les deux qui sont détestés par Léo Messi. Hein. Voilà, vous pourrez dire le contraire, c'est ça. Donc voilà, Jordi Alba, il n'a pas trop apporté grand-chose. Piqué et Langlais, ils n'ont pas eu grand-chose à faire, ainsi que Ter Stegen, même s'ils ont eu peut-être deux opportunités à la fin, Bilbao peut-être de revenir au score, mais voilà, c'est une équipe très défensive. Et voilà, maintenant je voudrais parler des matchs à huis clos, les postos. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça hein, repasse provisoirement en tête de la Liga en attendant que le Real Madrid joue. Mais tu vois que du côté du Real Madrid, avec les apports offensifs qu'il y a, même si on sait très bien, hein, d'ailleurs le Barça a crié au scandale après la victoire du Real Madrid, comme quoi il n'y avait pas pénalty hein, sur le pénalty de Ramos et que le but de Benzema, il y avait main, donc épaule, main. Hein. On pourra parler des heures quand tu vois le match de Leicester tout à l'heure. Où le défenseur de Brighton avait la main complètement décollée, on a pris la tête à Kimpembe comme ça parce qu'il avait fait ça contre Manchester et l'autre il a mis la main comme ça contre Leicester, il n'y a pas pénalty alors que la VAR a checké. Voilà, on peut se poser des questions. Donc voilà, en outre, la première mi-temps catastrophique du Barça et la deuxième meilleure mi-temps, je voudrais parler des matchs à huis clos. Depuis que les championnats ont repris, à part en championnat allemand, tu as moins de 5 tirs cadrés par match en moyenne. C'est des matchs exécrables. Il faut vraiment avoir une force mentale pour regarder des matchs à huis clos. C'est une purge, c'est une purge. Donc ce soir, la deuxième mi-temps du Barça, c'est mieux, mais voilà, en soi, faut vraiment être vraiment désespéré pour regarder des matchs comme ça à huis clos. C'est très très dur. J'ai regardé Leicester contre Brighton, là j'ai regardé le Barça contre l'Athletic Bilbao. C'est très compliqué. Donc est-ce que peut-être ça peut être avoir un impact en plus de la reprise où les joueurs sont pas encore en rythme, ça risque d'être compliqué. Mais en tout cas, voilà, le Barça a réussi à faire le travail. Buteur Ivan Rakitic qui lui aussi est rentré, donc les trois qui sont rentrés ont vraiment beaucoup apporté. Et moi, bon, Lionel Messi, hein, il a presque tout raté. Voilà, il a rien apporté, même si le danger pouvait venir de lui. J'ai trouvé un Suarez meilleur en deuxième mi-temps qui a su faire des différences.
Fati qui apporte beaucoup sur le côté. Vraiment, ça peut marcher, je pense, Messi et Fati. Hein. Vraiment, ça peut être un beau duo. Mais surtout, Fati, pour moi, a vraiment un gros potentiel. À voir, peut-être, dans les mois et les années à venir, mais vraiment très impressionnant. Bon, je pense que Griezmann, je pense que c'est le clap de fin. Hein. Je pense pas qu'il va pouvoir continuer une saison de plus avec Léo Messi. Ça, c'est impossible. Arthur, ça va pas être possible aussi. On a vu la sortie à la 56e. Ça va vite partir à la Juve, ça, parce que je pense que le gars pourra pas continuer comme ça. Surtout qu'en plus, on avait parlé du double qui toucherait à la Juve, c'est-à-dire de 2 millions et demi à 5 millions. D'autres informations sont apparues en première mi-temps à beIN Sport. On lui proposerait 7 millions d'euros à la Juve, alors qu'il toucherait actuellement 2,2 millions d'euros au Barça. Donc je pense que même s'il veut rester au Barça, il partira. Après, ce que j'ai trouvé incroyable, surtout en première mi-temps, je sais pas si vous avez regardé le match sur beIN Sport, dites-moi en commentaire. Les présentateurs Sonny Anderson, Alexandre Ruiz ont montré des tweets de Footix Barcelonais en expliquant qu'ils regrettaient Ernesto Valverde. Comme quoi Ernesto Valverde, en fait, c'était pas si mal, que au moins le gars faisait jouer les joueurs à leur place et faisait pas un petit peu du chamboulement et un peu du Thomas Tuchel des laboratoires de rats, vous savez. Bah, je suis désolé, vous avez viré un mec qui était premier de Liga, qui était premier de son groupe en Ligue des Champions devant l'Inter de Milan, qui a une très grosse équipe cette année, ainsi que le Borussia Dortmund. Tu vires un entraîneur qui est premier de sa poule et premier en Liga. Si c'est Paris qui aurait fait ça avec Tuchel, on aurait dit encore QSG, c'est un scandale, on respecte rien, mais le Barça, c'est pas de souci. Et en plus, tu vires Ernesto Valverde, qui est premier en Liga et premier de son groupe de Ligue des Champions, à la place d'un entraîneur qu'on ne connaît rien, qui a zéro palmarès, qui a entraîné que des petits clubs. Alors Mescun Club, c'est à vérifier quand même. Donc voilà, donc ce soir, pas un grand Barça. Les choix tactiques ont été payants, ça, on ne peut pas vraiment le nier. Voilà, mais un petit Barça, un petit football, et donc voilà. Donc le Barça prend quand même la tête du championnat. Moi, j'ai trouvé que la titularisation de Rakitic a été vraiment très forte. Hein, le Croate a au moins eu le mérite de s'arracher vraiment pour inscrire le seul but de la rencontre. J'ai vraiment aimé. Donc voilà, le Barça assure l'essentiel contre une solide équipe de Bilbao, mais qui est venue pour faire le mur. Voilà, mieux en seconde période. Les Catalans s'en sont remis à ce but de Ivan Rakitic à la 71e. Donc le Real Madrid, hein, qui joue demain contre Majorque, tentera de recoller au classement. Donc voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du jeu et de la victoire du FC Barcelone, de l'entrée de Ansu Fati, excusez-moi, et de ce petit Weeping, je sais pas comment on dit exactement, voilà, que j'ai trouvé très intéressant. Puis surtout encore la sortie de Griezmann et d'Arthur, qui sont vraiment blacklistés par Messi. Je sais même pas s'il a fait une passe à Messi encore, Griezmann. Donc voilà, il a fait le mauvais choix pour moi. Je pense qu'il aurait dû soit rester à l'Atlético Madrid ou aller à Manchester United. C'était quand même des clubs qui lui correspondaient plus, mais je pense que le Barça quand même va essayer de le vendre, hein, pour limiter la casse. Voilà les postos. Donc comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant en direct des vidéos Mercato qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Utip et sur ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling. N'hésitez pas à aller vous abonner, ce sera en lien en description. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne nuit, une bonne continuation, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss!